Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre, je vais vous montrer les emplacements de tous les coffres-forts. Mais c'est pas tout, je vais vous expliquer aussi ce que vous allez pouvoir débloquer en tuant les boss des trois lieux des coffres-forts que je vais vous montrer. Alors le premier coffre-fort que je vous montre, c'est celui qui se trouve à Catty Corner. Alors ce sera Kit, le boss que vous allez devoir tuer pour récupérer la carte du coffre. Et quand vous aurez tué ce boss, vous allez débloquer un lance répulsif. Donc vous tirez à vos pieds, vous pouvez vous propulser ou alors vous tirez sur les ennemis et ça les propulse. Donc c'est une toute nouvelle arme et franchement c'est plutôt pas mal. Alors la deuxième arme a aussi des facultés très spéciales. C'est un pompe que vous allez pouvoir tirer directement ou alors vous faites un tir chargé pour plus de puissance. Donc ça aussi ça a l'air plutôt pas mal. Alors ensuite avec la carte vous pouvez tout simplement aller ouvrir le coffre comme vous pouvez le voir dans le gameplay et ensuite ben, vous loot avec tout ce qu'il y a dans le coffre. Alors le deuxième emplacement de coffre que je vais vous montrer c'est à l'autorité. Là vous allez devoir trouver le skin Julie qui est le boss de cet endroit. Quand vous l'aurez tué, elle vous donnera un grappin illimité mais c'est un grappin assez spécial parce que quand vous allez l'utiliser, ça va déployer votre planeur. Donc ça c'est assez stylé pour voyager dans la map. La deuxième arme qu'elle donne c'est la Thompson en mythique. Et bien sûr elle vous donne la carte du bunker qui se trouve au même emplacement que dans la saison 2. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, le troisième coffre, c'est à la flottille. Et là le boss, c'est Océane. Quand vous avez trouvé Océane, elle peut se trouver dans l'eau, donc faites attention. Mais quand vous avez trouvé Océane, tuez-la et vous allez voir, elle va vous donner une gourde du brave illimitée les potos. Donc vous utilisez la gourde du brave et elle se recharge en une minute, plus ou moins. Si j'ai bien calculé, c'est une minute pile, mais je suis pas encore trop sûr. Ensuite, elle vous donnera aussi un fusil d'assaut à rafale en mythique. C'est de loin une des meilleures armes du jeu parce qu'elle est très stable, elle a un gros chargeur et elle tire des rafales de 3 balles. Donc vous imaginez bien qu'elle fait très mal. Et bien sûr, elle vous donnera la carte du coffre qui se trouve en plein milieu de la flottille. De toute façon, quand vous switchez sur une carte de coffre, il vous indique l'emplacement du coffre. Donc profitez-en pour vous repérer. Et voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulu Mike et ciao. Peace.